Dieu. C'est dur quand même. Ouais. Furet, il a gagné une Sifu Weekly il y a pas longtemps, je crois. Oui. Ah ouais. Quand même. Quand même. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, on part la pogne contre Furamo, Ridley contre Bowser et on partira sur Battlefield, mon cher. Battlefield, en plus, tous les deux de très jolis skins là, vraiment. J'aime beaucoup la suite de poussière, vraiment. C'est pas les skins de Ridley et de Bowser, mais là, vraiment, c'est un délice. Alors, je sais pas si c'est sarcastique, mais moi, le truc de Ridley, pour le coup, je l'aime bien. Moi, je l'aime honnêtement, vraiment, vraiment honnête. Mais vraiment, les deux, je les aime beaucoup. Bowser noir comme ça, genre, je le trouve trop bien. On voit un petit peu squelette ou je sais pas quoi, et Ridley, il est incroyablement beau. Les belles ailes bien fluo. Ouais, les ailes elles sont bien pétantes et tout, ça ressort par rapport au reste qui est très, ouais. Qui est très gris, très mécanique. Donc ouais, non, le skin est assez stylé. Noir jet black un petit peu là, oh là là, vraiment ça me fait... Et bien, bon, la mais petite tentative cas... de Spike avec le up B qui va venir accrocher la plateforme. On touchera pas le Bowser cependant, on arrivera à lui mettre un air juste derrière, on repart en situation disadvantage. Mais on... Après, est-ce que Ridley qui est suspendu au LED, c'est vraiment une situation disadvantage étant donné qu'il a le meilleur ledge hunk du jeu? Oh, up B dans ta gueule Bowser. Book. Oh, dans ta gueule Ridley. Book. Double book. Oh putain, ouais, bon. Book au carré. Oh, 5,49%, allez hop, c'est parti. Oh, ça va, il était puni, c'est un peu dommage là. Gros câlin, 72% du côté de Ridley. On est un petit peu corner, non, c'est bon, on arrive à reprendre l'avantage. Ouais, 72%, c'est parti. Bah oui, mais bienvenue dans la cour des grands, enfin dans la cour des gros plutôt. Ouais, la cour des Bowser, hein, vraiment agréable et appréciable là. Oh, c'était bien tenté. Audacieux. Je pense qu'un air aurait été plus efficace, voire même aurait peut-être tué. Mais là, on parle pas de ça, on parle plutôt du fait que Bowser peut tuer à n'importe quel pourcent Ridley. Je sais pas s'il aurait tué le. Oh sa mère! Oui, bonjour! Ouais. Oui! Ouais, un B? Ouais! Ouais, c'était ici! Oui! Oui, oui. Oui, alors en fait, je t'explique, c'est pas moi qui perds ma stock, c'est toi qui perds ta stock! Ouais, tu as activé ma carte piège! C'est ça! Ça là, Rorschach, ce n'est pas moi qui suis enfermé avec vous! Smash qui passe! Attention! Allez, boule de feu! La pogne! Bah, je comprends! J'aurais fait la pogne, il avait voulu clip jusqu'à la fin. Il est plus à Paris, il en a rien à foutre. Ah oui, non, mais là, gros, c'est la magie de Noël, c'est un moment où elle doit proc, c'est à ce moment-là. Oh. Et attention, on va voir la magie de Noël de quel côté elle est, parce que là, il a fait 2 kilos up B. Il s'est jeté, dans les bras de Ridley, quoi. Il s'est absolument jeté dans les bras de son adversaire. Voilà, on va venir se faire grapper les petits coups. Le pummel et le back air qui vont venir mettre fin à cette première game. Oh là là, c'est terrible. Le Ridley de la Pogne qui est sur une forme olympique là. Bah en général, quand il vient, il fait des étincelles, hein, c'est pas un problème. Ah bah ça. En général, ça n'est pas un souci. En effet, et c'est plutôt même joli à voir. Oui, non mais. En vrai, Ridley, moi j'aime bien regarder, j'aime bien commenter, hein, même si le perso est considéré comme pas ouf en termes de tiers, même si je considère que les tiers c'est cool à voir, hein. C'est un peu débile, moi je trouve ça très sympa à regarder, c'est pour ça que un des joueurs que je préfère regarder et commenter c'est Mescol de manière au niveau national. Ah bah ça. Donc non vraiment c'est très cool et puis c'est toujours plaisant de voir un Bowser se faire casser le cul donc alors là tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul sur ce canapé qui apprécie. Je pense qu'on n'est pas les seules personnes dans la salle à apprécier voir Bowser se faire casser le cul. Si, il y a un seul Bowser que j'aime bien. Un seul Bowser, ça me fait chier le voir perdre, c'est Gogesta. J'adore le Bowser de Gogesta. Il est vraiment trop cool. Il est vraiment stylé. Il schmouffe trop bien. Ouais, et puis il a un disadvantage de bâtard. Il est impressionnant. La manière dont il gère le Bowser. Ouais, vraiment. C'est trop fort. Vraiment ça. C'est vrai que ce Bowser. Et cette fois-ci, on part sur PS2. PS2, enfin le Super Smash Bros Stadium. Oui, c'est vrai. Bien attention. Entendu. Deux. Merci Poussière pour les travaux. Allez, petit grab, ça a été bien, ça a été match. Non, c'est même pas que ça a été match, c'est qu'en fait, genre, du moment que l'adversaire a moins de pourcentage. Que je pense le. Aïe. Que le Ridley, en fait, il sortira toujours en premier. Donc, qu'importe la mash. En fait, c'est à part. Ah ouais! Donc voilà, enfin, tu peux mash pour sortir plus rapidement ou pas. Mais par exemple, genre, si tu as moins de pourcentage, enfin, si tu as plus de pourcentage, ça sert à rien de mash. Ok, très bien. C'est un commandant assez particulier, mais qui peut être vraiment, vraiment bon dans de bonnes situations. Je pense que c'est un truc qui se travaille, tu vois. Encore une fois, ça fait partie de ses particularités. Le bout de la griffe qui va venir vraiment toucher du bout. Et prendre la première stack de Ridley, donc on a enfin un Furamo qui a le lead dans cette game pour la première fois depuis le set. 72%, on peut survivre pendant encore très longtemps, après attention quand même se méfier de l'explosivité de Ridley. Ouh. Voilà, non, notamment par la personne de C Up Smash, F Smash, je pense que la pogne m'a entendu, il a voulu montrer que il a des arguments à faire valoir. Voilà. Hein. Bah comme l'a dit, je crois que c'est la peu le jour qu'il a dit à Azure, c'est s'il est en haut tu Up Smash, il est à côté tu Up Smash, et voilà. Ok, on va quand même pas toucher là-dessus, le F-Smash, hein, c'est bien beau, mais le F-Tilt lui permettra de prendre la deuxième stock. Bien placé, bien tippers, oh là 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 là, 0% prise alors qu'il avait vraiment une 50e d'avantage. Mais vraiment, on a un point qui s'est bien fait
Ah, qui s'est bien fait remonter. Voilà. Ouais, non, non, mais là. Acculé. Au corner, acculé au acculé. Exactement. Là, vraiment. Oh. Je veux des interactions. Ouais, bah, je veux des choses besoin, raison numéro 50. Hein, toi, dirais-moi qui fait mes raisons de pourquoi est-ce que j'aime Mass Effect. Moi, genre, oh, au lieu de venir avec des vestes collector de Mass Effect, fuck Bowser. Fuck Bowser, je déteste Bowser. Fuck Bowser. Ouais, ça, c'est la version légale. La version légale, exactement. Le smash hein, en lecture de Rollin, malheureusement, qui ne portera pas ses fruits parce que le Furamo n'est pas dupe. On va réussir à toucher petit trade. Et on a un Furamo qui n'arrive pas à revenir, qui est toujours cantonné à ce petit point de terrain. Placé. Ça peut durer très très longtemps. Ah oui, ça peut durer extrêmement longtemps. Il est parfaitement bien placé là, le Lapogne. Et ça va continuer à grimper. À grimper. Et... à grimper. Ah, ça me fait plaisir. À grimper. Oh. Voilà. Le mec pris dans une boucle infinie. Bon, 200% quand même. Hein. Oh, la mauvaise punition. Ouais, le back air malheureusement un petit peu lent face au fer de Bowser qui permettra par exemple de prendre des stocks. Mais ça, c'est bien vu. Le kill qui est un kill qui tue Bowser. Par le haut. C'est vrai que dommage, c'est un bon kill move, mais tuer Bowser avec un kill, c'est pas quelque chose pour moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'avoir un petit qui tue Bowser. Quoi. Oh j'allais dire. Non, c'est Bowser. Bowser. Et c'est une victoire. Oui, mais est-ce que le pitou. Je sais que le pitou de Samus et Sweet Snake peuvent faire le taf. Enfin, Samus, c'est une jeune dedans. Ça, oui, non, mais. Mais oui, d'accord. Mais en général, ouais. C'est vrai que celui de Ridley là. Ouais, vous m'avez cité deux persos, on parle d'un roster à 81 persos quoi. Oui. Non mais d'accord, après, Snake, après... Perero. Ouais, désolé, t'as dit petite, tu pensais à Up Smash, voilà, oups. Non mais d'accord, mais là voilà, t'as 5 personnes qui vont peut-être un petit peu pour tuer. Le reste, voilà. Non. Le reste, bon, c'est un peu cringe. Le jour où tu vois le petit de Pikachu tuer Bowser par le haut, c'est des questions à se poser. Ah là, c'est qu'à... Parce que je crois que même en mort subite, ça ne tue pas. J'ai regardé rapidement tous les persos qu'il y a. C'est vrai que, bah, attends, je vois Sephiroth peut-être. Carou. Et encore. Ah ouais, non mais gros, en vrai y'a pas tant de trucs que ça, hein. Franchement. Wolf, peut-être, hein. Ouais, Wolf, bah, t'as intérêt à faire bien monter les pourcents, hein. Ouais, mais on parle d'un perso ça bien, hein. À 116 de points, 136 de points. Et Captain Falcon, les gens. Ça c'est de la triche. Allez. Ça c'est de la triche. Non, ça c'est de la triche, monsieur. Ça ne compte pas. En tout cas, 1-1, attention. On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes. Les assis sur Small Battlefield. 1-1, effectivement, la Pogne qui aura pas réussi à s'imposer sur cette deuxième game face à son adversaire, Furamo qui a repris du bah de l'écaille de la tortue plutôt que du poil de la bête. Hein. Petit jab du côté de ce cher Ridley avec une conversation très intéressante avec le petit neutral B into dash attack qui était assez sexy, j'ai bien aimé. Ouais. J'aime beaucoup les conversions en général de la Pogne, etc. qu'il peut faire avec son Ridley. Même genre après le neutral ball, bon, les déplacements de Furamo et la manière dont les gens neutral sont vraiment vraiment super intéressantes et vraiment on sent qu'il a beaucoup travaillé son personnage, donc c'est aussi très très intéressant à voir. Même sur des avantages, hein. Vraiment, genre c'est bien géré, les commandes grab bien placées. Mais là, genre, oh là 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 là, ah, terrible. Et oui, genre c'est. Oh, oh, oh là là. Oh, il a dû avoir peur. Hein. Oh là là là. On a un beau Earth Bus Shift pendant la dodge de Ridley quand même. Hein. Ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Oh, non, mais là, genre, je crois que les cheveux blancs ont commencé à pousser. Hein. Oh là là. Chez un Furamo qui en a déjà quelques-uns, c'est assez terrible, on va pas se mentir. C'est quoi cette attaque là? Il en a, il a des cheveux blancs. T'as pas remarqué qu'il est un peu poivré sel de temps en temps? Ah, je vois. Oh la honte! Raison numéro 51? 51. Même 52 tellement elle était grosse celle-là. Ouais, mais moi je faisais référence à la zone 51 parce que ce truc il venait d'ailleurs. Oh non mais là... Ok, très bien, le back air, le deuxième qui touche et qui tue. Le troisième back air qui va tuer. Revenge Kill, on remet les pendules à l'heure, il est temps pour il est de faire valoir ses arguments face au roi des Koopas. Oh, c'était trop stylé sa mère! Je sais pas comment il a fait! Ouais, mais ça servait à quoi? À rien, mais c'était trop joli! Aïe, arrête comment il a fait son c'est fou. Juste pour la frime, quoi, clairement! Ah, mais aïe. Est-ce que ça va le faire win? C'est ça la vraie question! Non, mais gros, mais parce que... wins, ouais. Ah, c'était trop drôle! L'ascendant psychologique a été établi, c'est ça que t'es en train de me dire? Ah, mais c'est grâce au groove! Ah, le groove! Le vrai! Le vrai groove sur la troisième plateforme de Battlefield! Aïe, 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 le groove! Hein. Le groove sur les hautes plateformes de... au sommet! Oh putain, oui, c'est vrai qu'on avait notre jeu à la con, Juquier. Oh merde! On en a fait une un peu avec Barbe tout à l'heure de manière informelle sur le champ lexical du petit déjeuner. Oh! Et ça marche très très bien le petit déjeuner. Oh. Excellent. Ce nerf qui est très fort en fait du côté de Furamo, il utilise de plus en plus parce que la Pogne a quand même la spot dodge assez facile. Oui, et. Oui, le nombre de frames actifs de ce coup, bah c'est. Oh, et le fil qui passe, la fille d'oreille. Oh, et Bowser. Et Niap. Deuxième stock prise 110. Après, attention, hein, ça peut partir très très vite. Ah, Bowser. Le deuxième up smash qui sera interrompu par le gros câlin de Bowser qui aura chopé avant de prendre la hitbox. Situation ledge trap, le backer qui ne touchera pas le père non plus. On va réussir à en mettre une au bout d'un moment, à force d'en mettre tout le temps. Est-ce que ça va toucher?
La vraie question. Ah, malheureusement, on était légèrement mal placé. Le backer, encore une fois, qui ne touchera pas. On a un bon placement aérien du côté de Furamo. On joue bien sur la verticalité. Ah. Ce qui permet d'esquiver quand même pas mal de kill move. Tiens, encore une fois. Ça joue plutôt bien, ça joue plutôt bien. Et là, on a le shield poke, je pense. Ouais, là, bon gros shield poke, ça a l'air. Le Smash Bros. Qui vraiment, il déconne zéro. Et là, attention, on est la citation. Tu vois, encore stock. Et ouais, les gros nerfs qui viennent bien poke et bien. Genre, en fait, ça c'est très très fort pour chercher la réaction sur la pogne. On sent vraiment qu'il fait beaucoup d'options de panique un petit peu pour réagir à ça. Et là, bah, attention, ça se fait catch ledge. Ok, on a quelque chose. Non, on n'a pas quelque chose. On n'a pas un kick qui était possible derrière. Gros câlin en sortie de le shield avec le full up. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Non, on revient, on prend quelques. On se crame quelques écailles au passage. Ça, c'était bien dodge du côté de Furamo. On répond avec un jab immédiatement. Option assez rapide pour punir la présomption de son adversaire en la personne de la pogne. Et toujours se faire en sortie de ledge qui. Bah, Furamo a pas l'air de vouloir le punir, donc c'est pas trop un problème. On fait le gros câlin sur la plateforme du dessus. Et c'est sur fini. Battlefield, c'est fini. 2-1 pour Furamo, malgré une belle prestation de la pogne. Ça ne sera pas suffisant pour s'imposer face à Roger Furamo.